Bonsoir à tous. Ouais, c'est le soir au moment où je fais ça. Je suis juste après le live que je viens de faire sur Star Wars Légion. Dans 19 jours, c'est Noël. Alors j'ai décidé de vous faire un beau cadeau. Bon, normalement vous l'avez vu sur la vignette. Qu'est-ce qu'on va gagner cette fois-ci? C'est le troisième jeu concours sur la page. Et il fallait que je marque le coup quand même, c'est Noël. Allez, voilà. Armada, Star Wars Armada, donc ça c'est un petit clin d'œil à mon pote Sebou qui est maintenant champion de France, et puis aussi à mon ami Julien. Je vous fais gagner le Chimera, tout simplement, le croiseur interstellaire de l'Amiral Throne, rien que ça. La plus belle et la plus puissante des pièces du jeu Star Wars Armada. Je remercie gracieusement FFG de m'avoir fourni cette boîte. On m'a dit voilà, on me donne ça, tu le fais gagner à tes abonnés. Donc je m'exécute, je l'aurais bien gardé pour moi, mais bon je l'ai déjà, je n'ai pas la peine d'en aligner deux, puis je préfère vous le faire gagner, c'est quand même vachement plus sympa. Les règles sont très simples, déjà pour commencer, bah, malheureusement hein, les deux gagnants des concours précédents ne peuvent pas jouer, hein, c'est normal, ils doivent laisser la place aux autres, ça me paraît logique. Ensuite bah, il faut être abonné à la page, donc ça c'est très simple, n'oubliez pas, je vais vérifier si vous êtes abonné à la page, donc faites en sorte à ce que votre abonnement soit visible, et en dessous de la vidéo j'ai mis un descriptif de comment rendre visible son abonnement, parce que certains ne savent pas comment on fait ou ne savent pas comment vérifier, donc voilà, je ferai un rappel aux gens dont j'arrive pas à vérifier la chose. Et puis surtout, bah, mettez-moi un petit commentaire pour me dire je veux le Chimera, hein, que je l'envoie pas à quelqu'un qui joue pas à Star Wars Armada ou qui joue rebelle et puis qui est totalement allergique aux impériaux puis qui n'en fera rien. Mettez-moi un commentaire pour me dire je veux le Chimera, et c'est sur la base de ces commentaires là que je constituerai le tirage au sort. Bon, joueur d'Armada ou pas, hein, parce que franchement je pense que c'est une figurine qui est de toute beauté. Là vous le voyez pas très très près, mais je vous laisse vous répertorier, hop, ça sera affiché là, la petite vidéo que j'ai fait sur le Chimera, la vidéo de présentation du Chimera, on le voit en macro. Voilà, c'est une merveille, vous mettez ça, vous n'êtes pas joueur d'Armada, vous mettez ça en vitrine, c'est quand même badass. Bon, c'est mieux si je l'offre à un joueur d'Armada qui s'en sert, hein. Je ne vous cache pas, je serai encore plus content. Mais ça, c'est le sort qui dessinera, puisque sous la base de vos commentaires et de vos abonnements, je constituerai une pile, et puis ben, on fera un tirage au sort qui aura lieu soit le 24, soit le 25. Je vous préviendrai sur les différents réseaux sociaux qui sont à ma disposition. Enfin voilà, aux alentours du 25 décembre, je ferai le tirage au sort. Et puis ben, y aura un gagnant qui recevra ce vaisseau. En plus du vaisseau, je mettrai les cartes que Julien fait m'a offert et qui viennent en fait, qui sont des cartes exclusives du championnat de France qui a eu lieu la semaine dernière. Donc en plus de ce vaisseau, vous aurez quelques cartes d'amélioration qui seront des cartes spécifiques qu'on ne pouvait obtenir qu'au championnat de France. Donc voilà, c'est un très très beau cadeau. En même temps, c'est Noël, donc c'est normal. Et puis, je vous aime bien. Donc voilà, je suis sympa. Allez, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour devenir champion de France de Star Wars Armada. Bravo, c'est beau. Et puis, ben, quand même, avec un croiseur interstellaire, c'est nettement plus facile. Vous allez voir. Franchement, c'est sympa. Allez, à très bientôt. Bye bye.